La puissance du Dieu de Papa Florian n'est plus à démontrer. Vous devez vous faire opérer d'urgence. Vous étiez très malade. On vous a conduit dans cette maison de Dieu le 7. Vous étiez très malade. Aujourd'hui, c'est la deuxième visite et vous venez rendre gloire à Dieu parce que vous avez évité l'opération et vous êtes guéri. Hein? Oui. Parce que le sourire vient large maintenant. Allons-y. Bon, c'était effectivement le 7. J'étais passé ici pour exposer mon problème de santé. J'avais des problèmes pulmonaires. Pour lesquels pulmonaires? Oui, oui. Le professeur avait estimé qu'il fallait faire une opération. D'urgence, c'est ça? Une opération, et l'opération était programmée pour le 15 octobre. Donc le 14, j'avais été admis en clinique pour les préparatifs, pour faire les derniers examens. Et le 14, quand j'ai été admis, vers les 19h, ils ont fait une radio de contrôle. Et quand ils ont fait la radio, vers 21h, le professeur m'appelle pour dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, que le résultat de la radio a envie de mettre le doute dans notre esprit. Ah bon? Le doute? Oui. Que le résultat montre que l'infection n'est plus là. Alléluia. Le problème pour lequel on devait faire l'opération, là, on ne voit plus. Donc, pour confirmer ça, ils vont faire un scanner. Et quand ils vont finir le scanner, si le scanner confirme la même chose, c'est que l'opération n'aura plus lieu. N'a plus. Donc, vers les 23h, ils sont venus me chercher en ambulance pour m'envoyer dans une salle de radiologie pour faire un scanner. Quand ils ont fini le scanner, elle est restée pour prendre les résultats. Vers les 1h du matin, elle est venue. En ce moment, les médecins étaient tous rentrés. Donc, c'est le matin qu'ils sont venus prendre les résultats. En tant que matin, ça avait déjà été programmé qu'on devait venir me prendre pour aller faire l'opération. Ils n'ont pas communiqué l'information aux anesthésistes, donc les gens sont venus me préparer, ils ont, en tout cas ils m'ont apprêté pour m'envoyer au bloc. Et j'étais au bloc, sur la table d'opération, ils ont mis tous les appareils prêts pour l'opération, j'attendais le OK. Pendant ce temps, le professeur et son équipe étaient en train d'examiner le scanner. Parce que c'est lui qui doit faire l'opération. Voilà. Donc quand ils ont fini d'examiner le scanner, ils ont vu que le poumon qui était malade là, est comme si c'est restauré, on ne voit plus l'infection, rien du tout. Donc ils ont automatiquement alerté l'équipe qui devait faire l'anesthésie d'arrêter et de me ramener en chambre. Parce qu'il n'y avait plus de moyen de faire l'opération. C'est comme ça qu'ils sont venus me prendre pour m'emmener en chambre. Quand je suis arrivé, il y a trouvé ma femme, on était tellement émus. On a vraiment pratiquement pleuré de joie. Parce que sincèrement, je n'en voulais pas de l'opération. Mais quand vous êtes passé chez le Dieu de Papa Florian ici, qu'est-ce que vous avez pris comme élément qui vous a rétabli totalement? Bon, il nous a donné, on a pris le lait qu'on a, on a bu, et puis les produits qu'on met dans l'eau pour se laver, sept fois. Et c'est ce que j'ai fait. On a fini le traitement seulement le dimanche. Et le lundi, on est allé en clinique pour les préparatifs. Et voilà maintenant ce qui est arrivé. Et donc l'opération pour laquelle j'étais vraiment un peu craintif, quand on est arrivé, l'opération n'a plus lieu. Le Dieu de Papa Florian passer par là. Oui, c'est passé par là. Le médecin par excellence. Le médecin par excellence, parce que dans mes prières, j'ai toujours dit qu'il est le Dieu d'excellence. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui sait comment restaurer mes cellules. Oui. Qu'il restaure mes cellules, afin que je n'ai pas besoin d'une quelconque intervention. Et effectivement, ça a été exaucé. Voilà. Donc c'est ce témoignage qu'on tenait à rendre, pour que cela puisse édifier d'autres personnes. C'est la deuxième fois que vous venez ici. Hein. C'est la deuxième fois. Vous avez les papiers. Oui, tous les papiers sont là, mais je ne suis pas venu avec. Okay. Les papiers. On va les voir. Oui. On va prendre ces papiers-là comme preuve. Oui. Voilà. C'est ça. Donc, c'est le témoignage que je tenais à rendre. On bénit le Dieu de Papa Florian. Merci d'être venu pour ce témoignage. Merci.